Alors, j'ai fait pour vous une sélection de produits. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est-à-dire pour tous les budgets. C'est important, hein, Gérard. Ça va. Alors, commencez pas, Gérard. Ça va de 2 euros à 169 euros. Et ces produits vont nous permettre, eh bien, justement, de mettre notre corps en déséquilibre pour travailler sur notre équilibre. On l'a perdu en 30 secondes, Gérard. Hein. Bravo, d'habitude, c'est au bout d'une minute. Et on ne sortait pas la pompe, c'est pire que tout. Thomas, si vous mettez un antitranspirant, c'est comme si vous mettiez des bouchons dans les pores de la peau. Vous mettriez, vous, des bouchons sur d'autres orifices de votre corps? Dans votre nez. Donc c'est un processus naturel, la transpiration. Il faut transpirer. Je suis désolée, ça tombe toujours sur Gérard. Ici, on appuie sur ce petit bouton. Ah, il y a un bouton. On déclipse la chaussure et on change le talon. Ça prend 2 secondes. Il faut bien que ça fasse le bruit. Ça tient bien alors? Ouais, ouais, vraiment. Ça lâche pas. Et là, vous êtes équilibré. Et là, je suis bien. Ça va. C'est très joli. Ça a mal flippé. D'accord, j'adore. Ouais, voilà. Et ça te donne une bonne allure de travelot, quoi. Valérie, elle est pas fan. Depuis tout à l'heure, elle est choquée. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? Excuse-moi, mais t'as l'air d'un trou du cul, quand même. Merci. Merci. Ce sont souvent les dents des couteaux qui déchirent l'oignon et qui provoquent un gaz. Eh oui. Ah, voilà, donc si on coupe net, c'est bon, avec un couteau bien aiguisé, eh bien ça ne déchire pas l'oignon. Très bien. Ben quoi ? C'est vrai qu'il vous est arrivé une sale histoire avec votre oreillette, racontez-nous. Ah bah, c'est-à-dire que j'étais en train de faire mes besoins tout à l'heure. Ouais, bon, juste avant l'émission, oui. Voilà. Et plouf. Petite commission. Petite commission. Mais peu importe, oui. Non, mais je te le dis parce que je vois que tu fronces tes sourcils. Tu as presque un haut le cœur. Alors j'étais là en train de chercher un truc pour me moucher rapidement, tout ça. Et j'étais en train de faire mes besoins et j'entends plouf. Alors je regarde dans le truc, dis donc. Pourtant vous étiez dans la petite bassine. Bah non, alors dans la petite bassine comme ça, je vois ça. Plouf, l'oreillette. Mais je fais quoi? Alors ça tambourine à la porte. On va tourner, dépêche-toi, mon vieux. Alors je dis, j'ai pas le temps, ça va se perdre, ça coûte cher, ni une ni deux. Je retrousse ma manche. Ça coûte une fortune, ces trucs-là. Je retrousse ma manche, je regarde pas ce que je fais. Ah, vous y êtes allé quand même, vous êtes. Mais j'ai été au feu comme un soldat, là. C'est formidable. J'ai échangé subrepticement cette oreillette-là avec celle de Philippe. Si tu nous entends, Philippe. On s'en est pas rendu compte. On a découvert un nouveau talent pendant la répétition. Une nouvelle star. Gérard Michel, talent d'imitateur. Attention. Faites-nous Bourville. Ah ben non, hein. Elle va plus marcher. Les abeilles. Bonjour, comme on est content de vous retrouver pour la quotidienne. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Ça va être la grosse rigolade aujourd'hui, avec Maya. Tiens, ça sonne. Bonjour, je viens pour réparer la chaudière. Mais je ne vous attendais plus. Où sont vos outils? J'ai tous mes outils sur moi, madame. Pas d'inquiétude. Attention, levez de jambes. Ouais, attends.